And we're back for another week on De Retour pour une autre semaine. Today I have another great program for you. This one's going to be a little bit more back towards the basics of strength, flexibility, and balance. Aujourd'hui, on va retourner un peu pour les classiques de renforcement, flexibilité et équilibre. Si vous avez jamais vu mes autres entraînements, vous pouvez les chercher sur les réseaux Olympique Spéciaux Québec. If you haven't seen my other training sessions, go back and check them out on the Special Olympics social media pages. Sinon, si vous êtes prêt, on va commencer aujourd'hui ensemble. We're going to start together today if you're ready. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comme toujours, on a besoin d'une bouteille d'eau, des espadrilles, une serviette. As always, we need to have our good shoes on, we need to have a water bottle, and we need to have a towel. On va utiliser la bouteille d'eau comme un objet pour, comme un poids. We're going to be using our water bottle as a weight. Alors, on a besoin absolument d'une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. So, we definitely need a water bottle of something of that sort. So, if you're ready, si vous êtes prêt, moi je vais commencer la musique et on va commencer. I'll start the music and we're going to start. Comme toujours, on commence avec échauffement. We always start off with a warm-up. We start moving our shoulders. Le cercle vers l'avant. Encore deux. 1, 0. Change directions. Sens opposé. Backwards. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On commence avec les hanches. Let's move our hips. Le grand tap. Good. Encore 3, 1, 2, 3, other direction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, good. Good. Just diminuer la volume, lower that volume so make sure you can hear me. Listen to my coaching, écoutez mes instructions. On va bouger les bras, grand cercle vers l'avant. Big circles, arms forward. Faut bien échauffer, bouger tous les muscles, réveiller tous les muscles avant un bon exercice ou entraînement. Always important to move our arms, wake up our muscles before our training. On change de côté, au sens opposé. Go to the other side, arms backwards. Good. Two more. 1, 2. Excellent. Maintenant, les chevilles. Les cercles sur un côté. We're doing our ankles, warming those up. Today is going to be a full body workout. On va faire un entraînement pour tout le corps. Alors c'est important de ne pas oublier un côté ou une articulation. It's going to be a whole body, so we need to not forget any of our joints. Let's work that other ankle. On change de jambe. Des cercles. Good. En retour en haut, on fait des cercles pour le poignet. We're back to the top and we're just warming up our wrists. We're doing some circles like this. Ou on peut faire des cercles comme ça. We can do some circles like this to warm up the wrists. Other direction. Good. So, now our muscles are nice and warm, or nice and moved. Now let's get our heart moving. Maintenant nos muscles sont un peu réchauffés. On va commencer à faire travailler les poumons, le cœur un petit peu. On va commencer avec des mini-fentes. We're going to start off with small lunges. On va faire ça pour 30 secondes. For 30 seconds, on commence. Take one step forward and back. Un pas vers l'avant,
en revient. Encore. Si vous avez des douleurs aux genoux, vous n'avez pas besoin d'aller si loin ou si en bas. Juste faites le mouvement le plus que vous pouviez. If you have some knee pain, you don't need to go all the way down. Just take a step and do what's comfortable for you. We keep going. Encore 3, 2, 1. En relax. Next up, waking up the legs. Prochain exercice pour réchauffer les jambes, des squats. Alors, on va imaginer si, comme si on a une chaise loin en arrière de nous et on a besoin de s'asseoir. We're putting our hips back like we have a chair behind us. Ready? 30 seconds. Let's go. Good. Encore, on peut descendre le plus qu'on est capable, le plus qu'on est confortable. We're going down as much as we are able and comfortable. Encore, je ne veux pas qu'on arrondisse le dos. Je ne veux pas qu'on enlève les talons. Toujours un dos bien droit. Again, I never want you to be bending at the back or lifting up the heels. Sitting down into that chair. Another 4 seconds. 2, 3, 4. Good, let's wake up our ankles. Réveillez les mollets, les chevilles. We're gonna do calf raises. Look at my feet. Regarde mes pieds. On commence. 30 secondes. Si vous avez de la difficulté avec l'équilibre, vous pouvez prendre quelque chose comme appui. If you're having balance issues or challenges, hold on to something. Light touch with the finger. If you don't need, I encourage you, work on your balance. Si vous avez pas besoin d'un appui, essayez avec le défi. Faites-le sans appui. On échauffe. Good. Encore 2, 1, et 2. Maintenant, les jambes, on essaie de toucher les orteils. We're doing diagonal kicks. 30 seconds. Let's go. Si vous n'êtes pas capable de toucher les orteils avec les mains, c'est correct. If you can't touch your toes with your hand, that's okay. Move as much as you're comfortable. Ça, c'est toujours l'échauffement. This is just the warm-up still. We're getting our muscles moving to their full length. We're starting to breathe a little bit more, getting the heart rate up. Toujours l'échauffement. On va juste faire bouger les muscles et travailler les muscles pendant toute l'amplitude du mouvement. Good. Et on prend une pause. Next one. We're going to bring our heels backwards. Amener les talons aux fesses. On y va, 30 secondes. Go. On peut commencer lentement comme ça. Et on peut augmenter la vitesse. We can start off slow and build up that speed. And then, on peut commencer à sauter. Suivez-moi, continue with me. Let's go. Encore 10 secondes. Let's go. Excellent. Ouh. Good. On va échauffer les genoux. We're going to warm up our knees. We're going to do 10 circles. 17. Faites-le avec moi. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Sans opposer. Other direction. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. On fait ça une deuxième fois, les fentes et les squats. We're doing the lunges and the squats a second time. Are you ready? Let's go. 30 seconds. 2, 3, 4. Excellent. Keep it up. Essaye de faire le défi d'aller le plus loin et plus bas que possible qui est confortable. Try to get down and as far as you can go while still staying comfortable. Good. Increase the speed. Excellent. And squats. Again, remember la posture. Rappelez toujours la posture des squats. On commence. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. It's been only 15 seconds. Ça fait 15 secondes, encore 10. 3, 4, 5, last 5, 4, 3, 2, and 1. Excellent. We're going to move to our first series of exercises. Première série d'exercices, je vous avais dit, on a besoin d'une bouteille d'eau. Première chose, pendant que moi je vous explique, prends une mini gorgée d'eau. While I explain, take a small sip of water. So, what are we doing here? We're going to start off a little bit of balance on one leg. We're going to take the water bottle. We're going to put it down in front of us. We're going to stand on one leg, and we're going to lean forward to try to touch it. On va se mettre sur un pied, on va pencher vers l'avant pour toucher la bouteille d'eau. Ça, c'est l'exercice numéro 1. That's exercise number 1. We'll do that for 30 seconds. Then we're going to do it on the other leg. On va faire ça pour 30 secondes un côté, 30 secondes l'autre. Après, on va prendre la bouteille dans notre main. We're next going to take the bottle, put it in our hands. On va pencher un peu vers l'avant, dos bien droit. Et on va amener la bouteille d'eau vers le côté. On va faire un bras, 30 secondes. Après, changer. Second exercise, we're going to bend a little bit forward. Split stance like this, straight arm. Lift the arm to the side. We're going to do that for 30 seconds each arm. Finalement, finally, on va faire un peu l'équilibre. On va travailler juste d'amener le jambe vers le côté, to the side. The leg is going to go to the side. 30 seconds, and then 30 seconds. Are we ready? We are going to start. But, yeah, we're going to start. On va commencer. Et on met la bouteille d'eau à terre. Bottle on the ground. Ready? And let's go. One. Keep the back straight. Two. Le dos bien droit. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Suivez votre rythme. Si moi je suis trop rapide et vous perdez l'équilibre, soit allez plus lentement. If I'm going too fast, follow your rhythm. Good. Encore 5 secondes. Good. Et un dernier. Excellent. Other leg. Next leg. Ready? Et on commence. We start. One. Two. Three. Four. S'assurez que vous avez un espace qui est bien sécuritaire. Make sure you're in a nice, safe space. Si vous avez besoin de tomber, vous avez quelque chose qui est proche pour prendre votre équilibre. If you're falling, make sure that you have a nice, safe space and you can use something to help. Good. Encore un. Et deux. Excellent. Next. We're going to go back and we're going to do the flies. Bent over flies. On va pencher vers l'avant et on commence 30 secondes avec la bouteille d'eau. Let's go. One. Two. Keep going. Good. Regardez mon dos bien droit. Rien qui bouge, juste mon bras. Nothing's moving, just my arm. Keep going. Concentrez-vous. C'est juste 30 minutes. Donne-moi votre énergie. It's only 30 minutes. Give me all of your energy. On continue. Excellent. Change de côté. Other arm ready and let's go. Keep going. Notice how straight my back is. Regarde mon dos bien droit. Seulement mon bras qui bouge. On continue. Good. On respire toujours. Always breathing. Keep going.
Another 5 seconds. And last one. Excellent. Next, water bottle goes down, hands onto the hips or something to hold onto for the wall. And we lift our leg to the side, 30 seconds. Good, try to keep your balance. Slow it down. Toujours en équilibre. Regarde, c'est rien qui bouge ici en haut. Seulement les jambes en bas. Nothing moves up top. Only the leg down here. Ça travaille le côté droit, mais ça travaille le côté gauche aussi. It works both sides. Good. Et on change de côté. Other side. Sois bien stable. Nice and stable and strong. Good. Keep going. Si on a besoin d'appui, on peut toucher la mur. Good. Keep going. On serre les fesses. Squeeze your bum to get that control that you need. Encore rien qui bouge ici. Seulement les jambes. Ça brûle les côtés. Warms up the sides. Good. Et ça fait un série. On va faire ça une deuxième fois. That makes one series. We're going to do that a second time. But let's shake out those legs. Make sure they're feeling good. Still with me? Hope so. We're going to go back. Water bottle down in front of us. On va faire sur la côté droite. We're going to do it on our right side first. 30 seconds. Ça commence. Un. Oups. Moi, j'ai tombé. C'est correct. Make sure you're nice and stable. It's okay to lose your balance. Regain it as fast as possible and come back and join me. On continue. Toujours bien stable. Si on n'est pas capable de toucher la bouteille d'eau, c'est correct si on juste penche un petit peu. If we can't touch the water bottle, it's okay. Just go as much as you're able to. If you can, go all the way to the floor. And last one, on change de côté. Comme je viens juste de dire en anglais, si on est capable, on peut aller chercher le plancher si on est capable. But remember, always good posture. 30 seconds, on commence. Go. 1. 2. 3. Suivez votre rythme. Follow your own speed. More important to do it comfortably and properly than to rush through it and bend at the back. Plus important de le bien faire au lieu de juste aller trop vite et avoir de mauvaises techniques. On contrôle toujours, on utilise la jambe qui est stable, always using our stance leg as much as possible. Et on prend pause. Prochain exercice, next one, we're back to the reverse fly, the bent over fly. On commence, 30 secondes, bouteille dans la main. Si c'est trop pesant, on peut faire sans bouteille. Mais si on veut le défi, use the water bottle. We don't need to have a water bottle, but if we want to, it adds an extra bit of a challenge. Let's go. Back straight, dos bien droit. On continue, on concentre. On respire toujours. Encore après 10 secondes. Good. Et on change de côté. When we're doing this, have the opposite leg from the arm that's moving. Quand on fait ça, c'est le bras opposé. On va commencer le bras et jambes opposés pour avoir la meilleure stabilité. Suivez-moi. On respire. On utilise le muscle en arrière, le dos, pour nous stabiliser. Keep going. On respire. Keep going. Je suis fier de vous. Thank you for your energy. Keep it coming. Et on prend pause. Dernier exercice de la série. Un jambe. Vers le côté, un peu en arrière. Next one, leg behind us, a little bit to the side and behind. Let's go. Good, keep that balance.
Ça travaille les deux côtés si on a le bon équilibre. On va le sentir dans les fessiers. We want to feel this in our glutes, in our bum muscles. Good. On change de côté, other side, let's go. Six, seven, eight, nine, ten. Give me another five. Un, deux, trois, quatre, cinq. Excellent, félicitations. Prochain niveau. Congratulations, we're going to the next set. Pour cela, on va se mettre à terre pour faire des différentes activités de planche. We're going to go onto the ground to do different plank exercises. Je vais vous montrer. Premier exercice. La planche sur le côté. On est sur le coude et soit les genoux ou on peut se mettre sur les pieds. Choisissez la progression qui est meilleure pour vous. 30 secondes chaque côté. Après, planche sur les coudes. Encore, on peut mettre les genoux à terre ou sur les pieds, mais toujours le dos droit. 30 secondes comme ça, si on veut un peu plus d'un défi, if you want a little bit harder of a challenge, on lève un bras et après l'autre bras. Finalement, on va faire un exercice des abdos. After that, we're going to do our abs exercises. Scissors, des ciseaux, 30 secondes chaque exercice. Are we ready? Good, I hope so. I'm ready. On commence sur le côté, la planche. Dos bien droit, on utilise les abdos, 30 secondes, ça commence. Let's go, 30 seconds. Stay nice and strong. Good. On respire. Encore, on peut être sur le genou. C'est fort ici, on utilise les muscles. A good contraction over here in our abs and our obliques. Keep it coming. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. We go down. Quickly turn to the other side. Again, if you want to be on your knees, you can. I'll show you over here on the knees. 30 seconds. Let's go. If you want more of a challenge, put your arm up into the air. Si vous aimerez plus un défi, le bras en l'air. C'est un défi pour l'équilibre. It challenges balance. Keep on coming. Good. Encore 3, 2, 1. On prend une pause. Next, on a fait la planche des deux côtés. Alors, on va faire en position neutre. We've done the plank on our two sides. Now we're going to do it in our neutral position on our elbows. 30 seconds, we go like this. We've started. If you want the challenge, lift one arm in front of you, put it down, and lift the other one. Let's go. Nice and strong. If you're using your arms, make sure you're not moving your back. Si vous utilisez vos bras, assurez-vous que le dos tourne pas trop. On continue. Good. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouviez mettre les genoux à terre, mais reprendre la position le plus rapide possible. If you need a break, put your knees on the ground, but come back as soon as possible. 3, 2, 1. Excellent. On tourne sur le dos. Ciseaux. Scissor kicks. Arms on the side or over here. Back. Straight, a little bit raised, le dos élevé un petit peu, les jambes tout droit, et on fait des kicks. On respire. Ouh, difficile pour moi. Si on a besoin, c'est trop difficile. On peut plier les genoux un petit peu. Dos toujours bien droit. It's too hard to do straight legs. Bend your knees and kick like this, but the back always straight. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On prend une pause.
Whew, it's hard, but it's good. Makes you feel alive. Ça a l'air difficile, mais quand on respire comme ça, quand on bouge comme ça, pour moi, c'est une sensation d'être vivant. On va recommencer la série dans 5 secondes. We're going to restart the series in 5 seconds. Get into the position. On se met dans la position et ça commence. We begin. Like this. Si on veut un peu plus de défi, if we want even more of a challenge, oops, if we want more of a challenge, enlève la jambe. If we want more of a challenge, we lift the leg. But again, this is challenging for balance. C'est difficile pour l'équilibre. Alors choisissez la progression qui est bonne pour vous. So find that progression that's good for you. If it's just your knees on the ground, that's okay. Si c'est juste avec les genoux à terre, c'est excellent. On a besoin de commencer quelque part. We're just starting off. This is all good. Do this video as many times as you want to get really as strong and fit as possible. On peut faire cet exercice, cette vidéo plusieurs fois si on veut vraiment s'entraîner. On change de côté, change sides, and we're up. 30 secondes. On peut lever la jambe comme ça. Le bras à l'air si on veut. Sinon, ici. Sinon, les genoux à terre. Mais les hanches, ça touche pas. Toujours la contraction ici. Always la contraction over here. 5, 4, 3, 2, 1. Good. On revient pour la planche. I'll do it in this direction so we can see. Next, the plank. Let's come up. If we want, let's lift that arm. Enlève la bras. Good. On respire. Les abdos toujours serrés. Breathing. Abs always nice and contracted. Yes, it's hard. On peut prendre des pauses si on a besoin. C'est difficile. Take breaks if you need them. Mais moi, je vous donne l'énergie pour vous encourager. I'm giving you all of my energy to keep you encouraged. Give me the best effort that you can. Et on prend la pause. Dernière série des abdos. Last ab exercise series. Arms over here. Si c'est trop difficile d'être avec le dos en l'air, put the back on the ground. If it's too hard with the back in the air, go onto the ground. 30 seconds, ça commence. On respire, on utilise les abdos. Breathing, use your abs. Again, too hard, bend your knees. Trop difficile, on plie les genoux. Mais le dos, ça reste bien à terre. On respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Good job. Ça, c'est numéro 2. That's our second series. We're going to try to fit in another quick last one before we get to our stretching and keep this into a nice 30-minute program. So, we are going to stay on the ground. On va rester à terre. Et on va faire des push-ups et des pompes. We're going to stay on the ground. And we're going to do push-ups and a bridge. I hope you all understand what a push-up is. In a good position over here, si on a besoin, on peut mettre les genoux à terre. Dos bien droit. On va faire 10 comme ça. We're going to do 10 together. Ready? And let's go. Lower yourself down. Come back up. Back nice and straight. As we go down and up. That's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. On tourne sur le dos. On va faire des pompes. We're on our back. We're going to do the bridge. Les bras soit à terre ou en haut. Plus difficile. It's harder for arms up here.
10 times we're gonna lift up. On y va. 1, 2. On serre les fesses pour nous lever. 3. We squeeze our bum to lift us up. That was 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Excellent, ça fait 10. Encore, on revient. Position push-up. Push-up position. We ready? We're going to jump right into it. On commence avec 10. Et on y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Finalement, encore, dernière 10. It's our last 10. Onto our back, we're going to do our bridge. Ready? Squeeze the bum and up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, dernière, last one, 10, excellent. Finally, to end any good program, we need to do a final bit of stretching. So stick with me as we do our last 4 stretches. On our back, sur notre dos, on croise un jambe sur l'autre, et on tire vers nous. Si on est en train de regarder, c'est comme une 4. On tire et on respire. It's like we have a 4 in front of us. We put one foot on the opposite knee and our hands through the middle. Et on relaxe. Encore. On croise un jambe sur l'autre. Lift one leg up onto the other and bring both up towards you. On amène les deux vers nous. On respire. Again, si vous aimeriez faire plus d'un entraînement, je vous encourage de faire une 3e série de chaque exercice qu'on a fait. Si vous avez le temps, si vous aimeriez, refaites tout ça encore à chaque jour ou cherchez les autres entraînements sur les réseaux Olympiques spéciaux. Again, if you want to do more training, feel free to do this a third time. Redo this exercise every day or look for more of them on Special Olympics networks. We're going to stand up. On va se mettre contre un mur. Pour étirer le mollet en arrière, we're going to stand against the wall. We're stretching our back foot. Assurez que le talon ça reste à terre en arrière. The heel stays on the ground behind us. On respire. Toujours. Always breathing. Always comfortable. On se met debout. On change de jambe. Respire. Respire. Good. Last one we're going to do for today. Don't want this to be too long. We put our leg in front of us, heel on the ground, and we bend forward. Le talon en avant de nous, le jambe bien droit, les fesses en arrière, et on essaie de toucher les orteils. On respire. Alors, il y a plein de différents exercices et étirements. Si vous avez plus que vous aimeriez faire, n'hésitez pas de les ajouter. We're going to switch legs. There's many exercises that we can do, stretches that we can do. If you know other ones that you want to do, I encourage you to add them into the program. C'est toujours le fun, c'est toujours bien de faire des étirements, des exercices. Alors, je vous encourage.
always amazing to do exercises, so I really encourage. Pour aujourd'hui, on va terminer. For today, we're gonna finish. I'm gonna thank you for joining me, congratulate you, and we're gonna see each other again next week. Thanks for training. Merci pour s'entraîner avec moi. Bye.